Bonsoir, monsieur Planus XS. Paquet Live, c'est moi, oui. Monsieur Paquet Live, c'est pas mal. C'est dit monsieur Paquet Live. Ouais, non, mais j'apprécie, c'est pour ça que je le répète, j'aime bien. Et du coup, c'est Paquet Live ou Paquet Live? Bah, Paquet Live. Ça dépend des jours. Ça dépend. Je me le disais aussi. Comment tu vas, mon plop là? Ah, de bonne humeur. Hein. Ah, parce qu'en plus ils ont pas donné une horaire, c'est. Non, c'est en gros, je devais travailler ce soir. Donc hier ils m'ont dit, ouais, pour manger ma soirée, il y a un truc que tu seras appelé vers 22h minuit. Je dis, ah, c'est bon, peut-être tu te prépares dans ta tête et tout. Genre, à 16h, mon chef m'envoie un message. Il me dit, peut-être c'est interboosté, donc c'est Maxime. Il découpe la tranche demain matin à 8h. Donc, du coup, en fait, ils font la baisse de charge de la tranche. Donc, ça permet de baisser la puissance de la tranche entre minuit et 8h du matin, mais on sait pas trop quand exactement. Super. Donc, et moi, faut que je sois là, en gros, quand ils nous appellent, on va commencer à baisser la charge. Donc, entre minuit et 8h du matin. Donc, c'est en fait, ils m'appelleront genre 2h avant qu'on baisse la charge. Donc, s'ils décident de baisser la charge, genre à 6h du matin. Ah, ils vont t'appeler à 4h. Voilà, c'est ça. S'ils décident de la baisser à minuit, on va la faire. Génial. Voilà. Bon, au moins, c'est payé. Oui. Du coup, bah, quand j'ai reçu ce message à 14h30, j'étais en mode, est-ce que je vais faire la CS? J'ai reçu ce message, je dis, je vais faire la CS. Ça va faire mal. Bah non, parce que du coup, comme ça, ce soir, j'aurais pas une danse. Donc, j'ai un sommeil qui va être bon. Une sacrée sieste. C'est pas faux. Là, en gros, j'ai dormi 1h30 cet après-midi, moi, je suis jamais fatigué. La dernière fois, le week-end dernier, j'ai dormi. Une demi-heure. De 14h à 14h30. J'ai pas réussi à dormir, je sais pas comment je lundi. Et après on me dit que moi je dors pas beaucoup. Le dimanche j'ai fait une sieste de 14 à 14h30. Alors je m'étais couché genre à 4h du matin avec 10 grammes dans le sang, je m'étais mis à 9h30. J'ai fait une sieste de 14 à 14h30 et pas le soir impossible. Ah bah. Donc là j'ai fait une petite sieste d'une heure et demie, je pense que là, demain matin, quand je rentre du boulot, je vais pas dormir. Comme ça au moins demain soir je serai éclaté. Et au pire tu feras une sieste demain soir. C'est ça, au pire je dormirai. Oulo. Puis je bois du café. Je dis comme ça, moi j'en ai bien bien pas. Ça a pas l'air d'être une bonne idée, quoi. De boire du café. Bah ouais. De toute façon, je vais pas dormir la nuit. C'est pas faux. Mais bon, tu vas commencer maintenant et tu vas finir d'en boire à quelle heure? Ah non, mais j'ai bu un café genre à 18h. Là, je vais en boire vers 21h30, 22h. Genre, je bois pas un lit de café. Ça te fait de l'effet. Ça me fait le café, ça me sauve ma vie. En fait, le matin, quand j'ai oublié de boire un café, là, t'es arrivé à boire le café parce que c'est le matin, tu vois, quoi, le café, vu que j'ai pas beaucoup dormi, ça me tient la journée. Hein. Je bois un café le matin, je bois un café le matin, un café midi. Comme ça, après, je suis tranquille toute la journée. T'as de la chance. Moi, le café, non, c'est un peu comme l'équivalent d'un peu d'eau. Parce que votre corps est habitué en fait. Bah, j'en bois pas autant que ça, à part quand je suis au boulot. Parce que moi, justement, moi, je sais bien que mon corps, en fait, il a besoin de ce genre de choses pour finir, donc je n'en parle pas. Genre, ça, le sucre, c'est bon, mais tu sais, genre, le sucre, c'est ça. Je vais prendre mon corps, vu que je dois consommer. Je suis fatigué, plus que j'entends, mon corps est fatigué tout le temps. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est des doses un peu trop importantes peut-être, ouais.
truc que tu dilues là. Ouais. Que citronate, tu vois. Bah, ça avec de l'eau. Et du coup, en fait, c'est comme si c'était du sirop, sauf que dans le pulpeur, en fait, il y a genre. Du sucre, mais pas trop. Ouais, c'est surtout du fruit, quoi, donc. Ça suffit, en fait, vu que c'est du sucre de fruit et il dit c'est meilleur. Ah, bah, oui, largement. Oh. C'est pas des sucres saturés comme un coquin. Puis le citron, c'est meilleur. Orangeade, c'est pas terrible. Non, orangeade, c'est dégueulasse, on dirait qu'il y a citron vert qui est bon. Citron vert, mais pris aussi, ouais. Et il y a un autre, c'est genre. Ça s'appelle pamplemousse, ça passe, mais il faut faire super crème. Ah, je suis pas fan du pamplemousse, de toute façon. Donc... Bah, moi, j'aime pas non plus, c'est genre. Fruits en même, j'aime bien en manger un petit peu, mais genre pas beaucoup. Mais là, en fait, si c'est très frais, en fait, ça fait genre penser à. Je sais pas comment dire, genre. Moi, ça, ça me rappelle le goût du rosé pamplemousse, c'est marrant. Il ressemble de chier la gueule quand on dit que ah bah bon. Ah bah bon. La porte moussade. Bon, je vais aller traduire mon jeu. The Witch and the Hundred Knight. Parce qu'il est tout en anglais et depuis le début je fais la traduction. Et t'en as marre ? Non, ça va. Mais il est très argot, enfin... Ah oui. Il y a des trucs, c'est tendu à traduire. En stream. Ouais. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Du coup, tu vas toujours pas te mettre à en thème ? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Je refuse. Mais t'as le droit. Heureusement d'ailleurs. Faire tous ensemble et qu'on y a joué 10 minutes. Oui, je sais, Ghost Recon. Ghost Recon, Wildland, ça, c'est pareil, c'est genre de jeu en fait que j'ai acheté ce qui me. En fait, le pire, c'est que en fait, c'est pareil, en thème ça m'a hypé, mais en gros ça m'a hypé 10 minutes, du coup je le savais, et là tu vois, maintenant je fais attention. Ah oui, non. Je m'en refais avoir avec Fallout, tu vois. En fait, Fallout, j'ai joué 3 jours, enfin 3 jours, en déconnant quoi, une semaine, deux semaines. Je sais que ça va pas. Moi, je sais que. Tu vois, je l'ai acheté il y a 4 jours. Je suis déjà à 19h de jeu. Oui, mais bon, moi je sais que ça fait un. Tu vois, Fallout, quand je regarde mes heures de jeu sur la play, genre je crois être à 30, enfin 40 heures de jeu, je crois, en une semaine. C'est beaucoup, tu vois, mais sauf qu'en fait, c'est un jeu qui m'a mis de saoulé. Enfin, c'est le jeu où tu fais toute la même chose, ça m'énerve. Je comprends. Bah, surtout quand tu fais pas la même chose et que je suis pas full hype. Oui, bah de toute façon, si t'as pas envie, tu te forces déjà, et si en plus tu dois faire la même chose. C'est ça. Je trouve qu'il est vide et du coup ça m'énerve. Ah, il a des défauts, mais il est pas vide pour le coup. Bah, il est pas vide, mais en fait, ça, c'est. Par contre, oui, il est clairement. Il est... C'est que c'est en fait, c'est du faux remplissage. En gros, t'as l'impression de pas faire toute la même chose, mais en fait, tu fais toute la même chose, mais avec des noms différents. Genre le but c'est quand même de te balader, d'aller dans des coins pour pousser des monstres. Ouais, mais dans ce cas-là c'est le concept de tous les jeux quoi, enfin... Ouais non mais puis la map elle a pas l'air d'être si grande que ça. Bah en fait le problème c'est que tu te déplaces très très vite, mais par contre si elle est grande quoi. En fait tu vois c'est ça, c'est... bah oui mais c'est le concept de tous les jeux, mais je veux dire, enfin celui-là c'est vraiment que ça quoi. Non mais je veux dire, la répétition ça, c'est... Après, je vais pas te défendre le truc alors que t'en veux pas. Hein, que... Oui, non, mais je veux dire, en soi, y'a rien d'autre à faire, il n'y a pas 15 types de missions. En fait. Si. T'as différents types d'adversaires, t'as différents types de recherches. Mais oui, après, ça va être un FPS, quoi. Donc, fatalement, le but, c'est de tirer sur des trucs, quoi. Ah bon, c'est pareil dans tous les FPS, quoi. Oui, mais c'est pour ça que moi, les FPS, ils jouent pas vraiment beaucoup. Ouais. Oh, on y a bien joué à PUBG quand même. Oui, mais c'est parce que c'était la hype du début aussi. Ah, la hype était déjà passée quand on a commencé, nous. Ah non. Ah, ça faisait un moment. J'avais acheté un petit jeu 16€. Pour dire à quel point c'était le début. Et sans instant gaming, bien sûr.
J'ai joué 170 heures à Player PUBG quand même. Ah, moi j'ai joué, je sais pas combien. Bibliothèque. Ok, j'ai pu installer. 180 000 heures. Tu vois, on l'a largement rentabilisé quoi. Le pire, c'est Rocket League. Emilie, elle t'embrasse, elle te dit que c'est pas grave, on t'en veut quand même. 419 heures, bonjour Emilie. 419 heures? Ouais, non, mais attends, c'est pas la même chose. Les gens, ils m'entendent. Bonjour. Bah, je pensais pas, ouais, parce que le son est pas fort, mais. C'est bien success, bonjour. C'est Monsieur Planisuccess. Hein? Respecte-le, Milly, s'il te plaît. Mais c'est bizarre parce que, vu le niveau du son, ça doit lui déchirer l'oreille quand je parle. Des grandes oreilles, tu penses? Des bonnes oreilles. Chut, C'est très bien la seule chose qui est grande chez elle. Oh. Méchant plat. Méchant plat. Bon, je te fais des bisous et je te souhaite plein du courage. Peut-être tout à l'heure si t'es encore là. Oh, bah je serai là, tu sais. Ouais, ou pas, ou si tu dois partir en courant au boulot, quoi. Toujours vivant, rassurez-vous. Rendez les sous aux viewers. Ouais, mais ils payent pas les viewers. Allez, bisous, plop. En tout cas, t'as une sacrée oreille, Emily, pour l'entendre, hein. Bordel. Ah, chevalier! Qu'est-ce que je fais? Eh ben. Il faut que je reste silencieux. Il surveille la princesse. Il s'inquiète. Je colle l'oreille au portable. Mon estomac, si vide. J'espère, j'aurais aimé pouvoir manger une nouvelle fois cette graine pour avoir l'estomac rempli. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose qui n'est pas de la merde. Nam 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 nam. Ah, c'est un bonjour. Mais pourquoi est-ce que cela a été laissé ici? Ouais, c'est pas grave. C'est juste de la chance pour moi. Qu'est-ce que je sens? Ouais, j'arrive pas à le dire. Bon, il est temps de s'entraîner un peu plus. Tu peux le faire, Mitaine. Qu'est-ce que c'est? Le son d'un cheval et de son attelage. Ah, ce son! C'est une limace qui conduit le truc? Hey, c'est Heinz. C'est une vraie célébrité, tu sais. Heinz von Frozen. C'est le fils du pape. Il est super beau. Il fait tomber toutes les femmes à ses pieds. Les gens l'appellent même le prince. Attends, un prince? Non, pas moyen. Ah, il est parti. Pourquoi est-ce qu'il était dans la zone? Oh, j'ai vu le prince. Alors, son prince, c'est Ernst. Ce n'est pas vraiment le fils du roi, mais c'est vrai qu'il est bien en dehors de sa zone de chasse. Le faire se rencontrer sera impossible. Mais peut-être qu'avec une lettre, cela suffira. Ah oui, je peux la livrer pour elle. Ça me semble être un bon plan.
Lucini continue de murmurer pour lui-même. Il réfléchit. Hé, chevalier, c'est fini de jouer maintenant. T'inquiéter pour cet insecte, c'est ton choix. Mais il est temps de retourner à ton vrai travail. D'après le pendule, il semblerait qu'il y ait un pilier au nord-ouest d'ici. Je ne connais pas sa localisation exacte, mais... C'est un endroit qu'on ne connaît pas. Il faut chercher plus de piliers. Hop là, 37 000. Firefly Canyon. Le canyon des... Pas des fées, des... Libellules, mais... Qui brille. Des lucioles. J'aurais dû faire la sieste, moi aussi. Merci, Emily, de m'avoir dit que ça voulait dire Luciole. Tu verras dans quelques secondes que j'avais trouvé. La sieste, c'est cool. Et j'ai streamé cet après-midi, mais après... Après, j'ai continué à jouer. Il y a un pilier à droite. Je l'entends dans mes écouteurs. Ouais, je sais, je suis un peu en retard. Sur quoi? Attends, tu rigoles dans la blague du début du live? Je suis sûr. Il est où le méchant? Il est méchant le méchant?
Et je sais que tu parlais de la vidéo. Oh là là. Ah moi j'arrête, hein. Si on peut plus faire d'humour pourri, le Bacalaï j'y ferme. Hein. Moi je revendique mon droit de faire de l'humour de merde. En plus c'est gratuit. C'est pas comme si je vous faisais payer. La 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 la. Ah bah voilà, maintenant elle veut me briser les os. La violence, tout de suite. Moi qui suis un frère si aimant. Tout l'amour que j'ai pour vous. Chaque soir, tous les jours, je stream, c'est volontiers. Je voudrais bien vous amuser. La 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 la. Ou toi t'as une drôle de gueule. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne semblez pas être un être magique violent. Ça fait des siècles qu'on n'a pas vu de voyageurs. Je pensais qu'une sorcière était revenue. Oh, une sorcière vit non loin de chez moi. Mais c'était il y a à peu près 30 ans. Oh, qu'on a le temps, est-ce que vous voudriez écouter mon histoire? C'était un jour froid, avec une magnifique tombée de neige, comme celui d'aujourd'hui. La sorcière qui vivait juste à côté à l'époque. On l'appelait la sorcière, mais en fait, ce n'était que une pauvre paysanne avec quelques cheveux en trop. Elle était mariée, mais son mari avait été emporté par la guerre. 3 ans après que la guerre ait fini, son mari n'était toujours pas revenu. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'utiliser une boule de cristal pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas une bonne idée de sa part. Quand tu utilises une boule de cristal pour trouver quelqu'un, il ne peut trouver que des êtres vivants. On ne peut pas trouver ceux qui sont morts. En tout cas, elle a attendu pendant 3 ans avant d'utiliser cette boule de cristal. Quand elle l'a fait, son mari s'est montré. Il était toujours vivant et en bonne santé. Trop bonne santé.
Non seulement elle a vu son mari, mais elle a vu aussi qu'il était avec une autre femme et des enfants. Le mari était parti et avait fait une nouvelle vie. Et il vivait là-bas. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu les pédales. J'ai vraiment eu peur pour elle, vraiment. Elle a fini par abandonner sa maison et elle a laissé derrière sa jeune fille. J'ai pensé prendre l'enfant, mais elle a disparu avant que j'en aie eu le temps. Je me demande ce qu'elle est devenue. Est-elle encore en vie? Oh, je suis désolé. Je parle vraiment trop. À mon âge, on est un petit peu seul. Vous voyez? Du coup, c'est l'histoire de qui précisément? Est-ce l'histoire de notre sorcière? Si c'est le cas, c'est juste médiocre, hein. À comparer à tout le reste. On dirait une arène de combat, mais... Toute patate.
Ah, commencez pas, hein, j'ai rien fait pour l'instant. Bon, d'accord, je vais raid vos maisons, mais quand même. Domination de la sorcière! Domination de la sorcière. Il y a un pilier au milieu du village? Je croyais que les marais tuaient les gens. Ah, magasin, c'est pas bon ça. En général, les magasins sont difficiles à prendre. Oh, ça passe.
La 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 la. Je sais pas ce que je dois faire dans ce village. C'est visiblement notre prochain objectif, mais. Putain, ça passe pas, hein. La 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 la. Ça ira plus vite si vous acceptez tous que votre village appartient à la sorcière. Je vous jure. Thank you.
Un jour, j'aurai le pouvoir de tuer les villageois. Vous allez tellement tous y passer, quoi. Ah, mais il perd un peu. Bah elle va me péter une durite la sorcière si si plutôt que de chercher les infos je m'amuse à continuer à chercher des trucs pour la reine des insectes.